Coucou tout le monde, c'est Aurice Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance intemporelle à trois choix car il y a un nouveau départ qui se prépare pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui veut entrer dans votre vie et c'est pour ça que j'ai choisi des balais, c'est parce que ça fait penser un petit peu au tri, au rangement, au ménage qu'on fait avant de faire de la place pour quelque chose, avant de libérer de l'espace peut-être pour quelqu'un aussi en tout cas pour accueillir quelque chose de nouveau. Ça fait un petit peu penser aussi au nettoyage de printemps, au grand ménage pour un renouveau. Donc, pour le choix numéro 1, vous avez ce magnifique balai avec une pierre rouge et un soleil. Pour le groupe 2, vous avez ce beau balai avec une pierre verte et une encre. Et pour je me crois on se croirait à téléachat. Et pour le choix numéro 3, nous avons cette magnifique pièce avec une tête de cerf et une pierre un petit peu opale. Que voici donc je vous laisse faire vos ou votre choix au tout début de la vidéo ou maintenant si vous voulez euh, prendre un petit peu de temps pour ressentir celui ou ceux qui vous appellent et puis moi je vais tirer les cartes euh, au préalable donc si vous voulez rester pour regarder l'accéléré vous pouvez Et voilà, nous avons nos trois groupes. Alors j'ai vu que la vidéo, euh, j'ai mis sur pause deux secondes pour ouvrir ma porte et j'ai oublié de remettre sur play. Du coup, il y a un petit moment qui manque au début quand je mélangeais les cartes. Mais nos trois groupes sont ici, ils sont complets. Donc, euh, si vous avez fait votre choix, je vous laisse cliquer sur le ou les marqueurs de temps associés juste en dessous. Et on commence avec le choix numéro un. À tout de suite. Bonjour groupe 1 Vous avez choisi le balai avec la pierre rouge et le soleil. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble quel nouveau départ souhaite se produire dans votre vie. Alors j'aimerais bien vous le poser qu'il soit visible mais qui ne gêne pas. Est-ce qu'ici c'est bien Oui c'est parfait alors, voyons voir ce qui va se produire dans votre vie, qu'est-ce qui va commencer. Et le balai, comme je disais dans l'intro, ça me fait penser au tri, au ménage, au rangement qu'on fait afin de faire de l'espace, afin de libérer de la place pour pouvoir accueillir quelque chose ou quelqu'un de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a Nous avons... Ouh, répondre à l'appel, il est l'heure, le temps, c'est maintenant. Et on a un cerf ici, donc ça me fait penser au troisième choix... Regardez, je l'ai là, le balai, avec une tête de cerf. Donc s'il vous appelle aussi, peut-être qu'il y a un message pour vous. J'ai pas encore tourné la vidéo à ce stade. Mais voilà, peut-être qu'il y a un message pour vous, je ne sais pas. <laughs> vous verrez bien. Alors, le temps, c'est maintenant, c'est l'heure. Répondre à l'appel. Ensuite, nous avons Lady Butterfly, donc la dame papillon, transformation et renouveau. Symbole de la créatrice du jeu. Merci Vanessa pour ce jeu que j'adore d'ailleurs. Le lien se trouve juste en dessous dans la description si l'oracle vous intéresse. Transformation accompagnée, médi médiation artistique, mieux-être, atelier, création et guidance. Ensuite, nous avons tempête en vue. <laughs> j'adore parce que avec le fait de répondre à l'appel... Alors, je vous dis juste ce que je vois, mais je vais pas trop en dire parce qu'on va, on va, on va regarder, on va faire la synthèse tous ensemble. Mais ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui qui prend la poudre d'escampette des avant que ça se gâte et qui est heureux d'avoir écouté son intuition et d'être parti au bon moment euh, pour éviter le pire et pour embrasser le meilleur en plus de ça. Donc, euh, cette personne, elle a tout gagné en fait dans cette situation, c'est ce que je vois. Ensuite, j'ai acheté ce nouvel oracle des runes. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, donc on va le découvrir ensemble. Euh, vous avez la rune en zose. Euh, un message révélé ou euh, une, 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 une... comment dire ah, Attendez. <laughs> un message qui révèle certaines choses ou alors peut-être une intuition, communication, signal, inspiration, enthousiasme, euh, speech, vision réelle, pouvoir des mots. Et de, du fait de nommer les choses. Ah, ça peut être l'intention aussi. Le fait de dire ce qu'on veut exactement. Bénédiction et prendre un conseil. Écouter un conseil. Ok. Ensuite, nous avons la synchronicité. Mais c'est un tirage magnifique. J'adore. Et nous avons la créativité. Ok, on a la créativité deux fois. Alors, ça me fait penser à peut-être trouver une solution créative à quelque chose. Ouais. Alors, on a <laughs> la tour qui est en parfait alignement avec la porte et la tempête. L'ermite. Et la neuf de denier. Ok, donc euh, le message est clair, mais il y a plein de choses qui viennent dans ma tête en même temps. Du coup, je vais essayer de faire le tri un petit peu avant d'évoquer ce qui me vient ce que je vois c'est qu'il y a une porte de sortie pour vous c'est clair et net c'est que je vois que vous évitez une catastrophe vous évitez le pire alors je ne sais pas dans quel domaine mais c'est comme si les choix que vous allez faire là ou que vous avez peut-être fait récemment vous évitent le pire et je pense que au fond de vous vous savez que ce que vous faites c'est juste même s'il y a des des personnes autour de vous ou votre mental qui essayent de vous prouver, de vous prouver le contraire. Peut-être que euh, la solution que vous avez trouvée ou que vous allez trouver va être créative, va sortir un petit peu du lot, va sortir de, du cadre en fait. Et donc peut-être que au premier abord, euh, c'est pas un, une inspiration de confiance, ça n'inspire pas confiance, mais c'est la bonne chose à faire. Euh... C'est un petit peu abstrait là, mais vraiment avec ces deux cartes, la tour ici, le fait d'avoir avec cette rune en zouze, je ne sais pas si je le dis bien en suze, je ne sais pas, mais <laughs> on a vraiment cette idée d'inspiration, de signal, de, de top départ en fait. C'est comme si. J'essaie de, de vraiment euh, rassembler mes pensées, mais c'est comme si en fait il euh, y avait un instant à ne pas louper vous allez sentir très fort à l'intérieur de vous en fait et autour de vous peut-être dans votre énergie peut-être dans les circonstances extérieures certains comportements de certaines personnes je ne sais pas mais vous allez sentir va y avoir un, une espèce d'électricité dans l'air et vous allez vous dire c'est maintenant c'est maintenant qu'il faut que j'agisse c'est maintenant peut-être qu'il faut que je négocie avec cette personne parce que c'est ma fenêtre d'opportunité c'est mon moment mais on pose la question du nouveau départ là maintenant. Et je pense que ce nouveau départ va être amené de cette façon. C'est pour ça que j'ai surtout la circonstance, j'ai surtout un événement. C'est que ça va être le début justement de ce nouveau départ. C'est que vous allez sentir que c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas dans une heure, c'est maintenant. Donc bien évidemment, il ne faut pas se presser, il ne faut pas se stresser plutôt. Euh, mais c'est juste d'être flexible et d'arriver à répondre à l'appel quand vous l'entendrez, quand vous le ressentirez. Et vous allez éviter une catastrophe, vous allez éviter peut-être d'être malade ou de... comment dire, d'empiéter sur votre santé, sur votre bien-être, peut-être une perte matérielle, une perte d'argent, des choses comme ça. Vous allez vraiment... Et vous allez le savoir après. Peut-être que vous allez avoir un signe, une synchronicité, un message. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous parler d'une chose et vous allez vous dire, mince, j'aurais dû y être. Ou mince, ça aurait dû être moi à ce poste. Ou mince, c'est moi qui, qui aurais dû être avec cette personne. Et finalement, ben, j'ai bien sauvé ma peau. Donc c'est, l'univers vous fera savoir que vous avez bien fait d'agir. Et donc, voilà comment commence ce nouveau départ. Un signal, un appel, une intuition, un, un sentiment très très fort, qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose à, à... il faut agir, il faut passer à l'action. Vous allez avoir des signes, des synchronicités en plus de cet appel, et ça va être important de les suivre. Mais vous inquiétez pas, votre âme, elle saura vous guider, vous saurez reconnaître les signes, vous saurez au fond de vous ce qui est juste. Donc vous inquiétez pas pour ça, ça se passera très bien. Et donc maintenant, ce que ce nouveau départ vous apporte donc on a regardé un petit peu la façon dont il arrivait il va vous apporter beaucoup <laughs> d'autonomie parce qu'on a déjà l'ermite et la neuf de denier, qui sont toutes les deux des neuf des cartes neuf donc le neuf symbolise la solitude l'autonomie le fait d'être responsable d'être sage aussi donc ça va vous apporter de l'autonomie ça va vous apporter aussi de la responsabilité et surtout de l'abondance. Donc vous allez être fier de vous parce que vous avez su écouter, aller à l'intérieur de vous, recevoir les signes, faire confiance à votre intuition et ça va vous mener à votre réussite, à votre succès. Et ce que je vois avec... Alors attendez, je vais boire de l'eau parce que <laughs> je suis en train de m'assécher. Donc je disais ce que je vois avec cette neuf de deniers avec cette carte de la dame papillon, la créativité, atelier, création, guidance et la créativité. Ce que je vois, c'est que pour beaucoup d'entre vous, si ce n'est pas tous, vous allez pouvoir vivre de votre art, de votre création, de votre créativité. Pour certains, peut-être que ce n'est pas votre activité principale, mais on vous dit de manière générale que vous allez pouvoir euh, subvenir à vos besoins de manière créative. Ça veut dire que ça peut être en créant des choses en étant artistique en étant artiste plutôt, mais ça peut aussi vouloir dire euh, utiliser tous vos dons, tous vos talents, tout vos toutes vos compétences. Pour créer une abondance de manière générale. Donc, ça peut vraiment être de tous les moyens possibles, mais vous êtes une personne qui est vraiment bourrée de ressources. Et je pense que cette tempête, euh, cette tour, c'est un petit peu l'univers aussi qui essaye de vous pousser pour que vous puissiez franchir cette porte et faire confiance à ce plein potentiel. Donc, euh, c'est pas pour vous mettre la pression ou quoi, c'est juste que vous avez plus rien à faire dans une certaine réalité. Peut-être une réalité où vous avez peur, où vous êtes dans des schémas de manque, où vous êtes dans un travail qui vous convient plus peut-être aussi. Et l'univers, il vient, il vient pousser un petit peu tout ça. Et là, je viens d'avoir, euh, euh, vous savez, euh, une oreille qui vient de faire bip, mais en même temps, elle entend plus trop avec l'autre. Enfin, c'est trop bizarre. Du coup, c'est une grosse confirmation que pour certains, il est temps de changer de réalité. Et ce nouveau départ, peut-être que pour certains, vous allez vous sentir un petit peu poussé, un petit peu brusqué, mais c'est pour votre bien et c'est pour vraiment vous mettre dans cette euh, dans cette énergie de, de réactivité où vous devez vite trouver une solution, où vous devez vite vous adapter à quelque chose qui pourrait être bon pour vous. En fait, <laughs> c'est comme si on ne voulait pas que vous vous endormiez dans une réalité qui n'est pas bonne pour vous. J'espère que ça fait du sens. Mais dans tous les cas, ce que je vois, c'est que ce nouveau départ, c'est un départ où vous allez pouvoir créer votre propre abondance financière, votre propre abondance matérielle. Et vous allez avoir beaucoup de signes et de synchronicité qui vont vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Donc, euh, ne les cherchez pas trop, ces signes, ne les cherchez pas trop, ces synchronicités. Laissez-les juste venir. Et soyez en reconnaissance, soyez emplis de gratitude quand vous les voyez, quand, vous, quand vous, vous expérimentez, quand vous témoignez de ces signes. Parce que ça veut dire que l'univers vous envoie un petit clin d'œil et vous dit, bon, tu fait le meilleur choix pour toi, maintenant on te soutient encore plus. Parce qu'ils nous soutiennent toujours là-haut. Mais quand on fait le choix de suivre notre plus belle destinée, là on a un soutien fois mille. <laughs> et avec le cerf ici, j'avais regardé l'autre jour dans l'oracle des animaux, c'est la carte du leader, c'est celui qui dirige. Donc vous êtes amené, groupe 1, à être un leader, vous êtes amené à diriger votre vie et tout particulièrement à créer votre abondance. Avec la créativité qui est votre don, votre talent propre, mais la créativité c'est pas seulement l'art. La créativité, c'est nos ressources. Euh, chaque enfant est un génie créatif. Au bout d'un petit moment avec l'école et toutes les conventions et tout ça, on oublie ce génie, on oublie cette créativité. Mais on en est tous dotés. Et donc, vous allez pouvoir créer cette abondance. Donc, euh, le conseil est là pour amener ce nouveau départ. Euh c'est pas pour ramener, c'est pour accueillir ce nouveau départ, parce que de toute façon, on voit que l'univers, il va, il va vous l'envoyer ce nouveau départ. Et peut-être même qu'il vous l'a déjà envoyé sous la forme justement d'une tempête, de cette énergie de la tour, et que vous avez déjà répondu à l'appel. Et alors, à ce compte-là, c'est votre confirmation que c'était bien un appel du, du ciel, et que vous avez bien fait d'y répondre. Mais donc, le conseil pour accueillir ce nouveau départ de la meilleure manière qui soit, c'est de vraiment faire confiance à votre instinct, de faire confiance à votre intuition de faire confiance à ce que vous ressentez à l'intérieur. Surtout qu'avec l'ermite, on voit que vous avez vécu beaucoup de choses, vous avez une grande sagesse, vous avez l'expérience derrière vous. Donc, euh, votre intuition, elle vous a montré plusieurs fois quand vous auriez dû l'écouter ou quand vous avez bien fait de l'écouter. Vous savez maintenant. Donc, vous êtes capable de pouvoir l'écouter aveuglément si besoin. Et euh, j'ai un autre message aussi, c'est que pour certains, la tour, la tempête... Euh, Peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, cette énergie euh, où vous avez été bousculé, vous avez dû prendre une direction parce que c'était plus possible pour vous. Il euh, y a quelque chose qui s'est passé où vous vous êtes dit, euh, trop, c'est trop, c'est bon, j'arrête et je vais vraiment me focaliser sur moi, sur ma vie, sur ce que je veux créer. Et donc, c'était ça votre nouveau départ aussi. C'est que là, c'est un, un, un prolongement, si vous voulez, de ce nouveau départ et vous allez pouvoir comme on l'a vu tout à l'heure, diriger votre vie. Et pour certains, avec euh, le speech, la, la communication, etc., c'est possible que ce que vous souhaitez faire implique la communication, implique le fait de parler à plusieurs personnes en même temps, peut-être les conférences, mais à être une espèce de leader en fait à être quelqu'un qui est sur le devant de la scène peut-être aussi. Et bien évidemment, ça me fait penser aux arts de la scène, puisqu'on avait quand même l'énergie de l'art et de la créativité. Donc peut-être que pour certains, ce nouveau départ, c'est euh, au niveau créatif, ça peut être du théâtre, ça peut être des conférences, ça peut être euh, ça peut être de la musique aussi, des représentations sur scène de manière générale. Donc euh, voilà, si c'était quelque chose que vous vouliez faire, c'est une confirmation pour vous. Et maintenant on va voir ce que ce nouveau départ va vous apporter de plus. Et pour certains, ah, il y a quelque chose qui me vient, c'est que peut-être que vous avez commencé quelque chose et que ça n'a pas marché avec la tempête et la tour. Ça n'a peut-être pas fonctionné, et du coup... <laughs> si vous souhaitez réessayer quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais peut-être sous une autre forme, peut-être avec d'autres personnes, peut-être avec un autre état d'esprit aussi, un autre mindset, euh, ça pourrait réussir, c'est ce qu'on vous dit. Parce que vous n'êtes plus la même personne, vous n'êtes plus dans les mêmes conditions qu'avant, ouais, ça pourrait réussir, c'est ce qu'on vous dit. Si vous vous en donnez les moyens, si vous faites confiance à votre intuition et que vous agissez au moment où vous, sen où vous sentez que c'est le moment d'agir, vous pouvez réussir. Alors, qu'est-ce qui vous attend d'autre Qu'est-ce que ce nouveau départ ouf, vous, vous apporte Alors, qu'est-ce que ce nouveau départ apporte à mon groupe 1 de plus Ok, et on prendra la carte verte là qui... Euh, qui dépasse du paquet. Alors nous avons affaires ou relations avec un homme, discorde parmi les amis ou la famille, rassemblement avec des amis. C'est marrant parce qu'on a rassemblement et discord et c'est comme si euh, le fait de changer, d'être leader, d'écouter son intuition et d'être plus en phase avec vous-même, ça éloignait certaines amitiés mais ça en amenait aussi d'autres dans votre vie. C'est comme s'il y avait une espèce de de turnover. Je pense à la chaise musicale, bon ça n'a rien à voir mais je sais pas pourquoi je pense à ça vu que c'est un jeu qu'on fait avec des amis en général. En tout cas on s'amuse à ce jeu. <laughs> c'est comme si... Euh, euh, ouais, ça a laissé la place à d'autres personnes, des personnes plus qualitatives, des personnes qui sont euh, sans juger, hein, tout simplement plus adaptées à qui vous êtes et vice-versa, en fait. Donc, euh, moi, j'ai l'impression que ça fait, ça fait ça aussi, ce nouveau départ, c'est que ça vous amène les bonnes personnes, des personnes qui seront là s'il y a une tempête, des personnes qui seront là aussi quand vous serez sur scène et qui seront là pour être heureuses pour vous et pas vous jalouser ou chercher la petite bête. Ouais. Et euh, affaire avec un homme ou relation avec un homme. Voyez comment ça s'accorde, mais ça pourrait être une nouvelle personne qui entre dans votre vie, un homme notamment. On a affaire avec la famille, décidément. Et l'oiseau perché, attente d'une nouvelle, d'un paquet ou d'une lettre c'est intéressant parce qu'avec la famille la discorde les amis et la famille deux fois ici c'est possible que ça remue un petit peu dans votre famille parce que c'est pas tout le monde qui ose être indépendant qui ose écouter sa voix intérieure j'en parlais justement avec une amie que, que avec qui j'approfondis un lien justement c'est une américaine qui est vraiment super sympa et on expliquait elle me demandait pourquoi les gens ils avaient ils n'écoutaient pas plus leur intuition ils suivaient pas plus leur guidance intérieure parce que c'est vraiment ça fait de la, de la magie en fait dans la vie et je lui ai dit que souvent les gens, ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Et peut-être que si vous suivez justement ce chemin de, de synchronicité, d'intuition, si vous agissez quand vous le sentez, même si ça fait pas de sens et que vous passez pour un fou, peut-être, euh, ça fait peur en fait autour de vous parce que les gens sont habitués à une certaine version de vous-même. Sont... On est des êtres d'habitude, hein. nous sommes des créatures d'habitude, que nous soyons spirituels ou pas. Et donc euh, le fait de changer les habitudes, de sortir un petit peu du cadre, ça peut faire peur. Et donc euh, c'est possible, sachez-le avec la tempête et tout ça, c'est possible qu'il y ait des relations qui ne résistent pas à ces magnifiques changements dans votre vie. Et c'est OK parce qu'elles seront remplacées par d'autres qui sont beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus adaptées à votre chemin et au chemin des personnes que vous laissez derrière d'ailleurs. Elles seront elles continueront leurs leçons mais sans vous parce que vous n'êtes plus sur la même fréquence. Donc euh, sachez juste ça, c'est le revers de la médaille mais ça vaut le coup parce que vous aurez des personnes qui seront votre nouvelle famille, si vous voulez, vos nouveaux amis, qui seront votre famille d'âme réellement, et plus des personnes qui miroient certaines leçons. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper avec les personnes avec qui il y a des discordes, vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais ça veut dire que la distance va probablement se creuser sans même que vous y fassiez quoi que ce soit, en fait. Et donc j'aimerais voir cette carte verte. Qu'est-ce que c'est nous avons l'abondance. Et oui, parce que l'abondance, <laughs> la richesse, il euh, y a certaines personnes qui jalousent ça, qui disent ⁇ ouais, mais de toute façon, euh, c'est facile, et puis elle a eu de la chance, et puis machin. ⁇ Malheureusement, c'est une des réalités qu'il y a sur cette Terre, sur cette planète. Donc, euh, si jamais vous avez des personnes qui sont comme ça autour de vous, ne vous inquiétez pas, elles n'y resteront pas, l'univers les bougera les bougera de là, et peut-être même vous d'ailleurs. Donc voilà, c'est ce que vous avez besoin de savoir, ça confirme bien que vous allez vous créer votre propre abondance financière, c'est ça ce nouveau départ, c'est que vous allez vous donner cette chance que tout le monde a d'ailleurs, on peut tous se donner cette chance, mais c'est pas tout le monde qui a le courage de le faire. Vous allez vous donner cette chance de vous créer la vie de rêve que vous voulez. Et vous allez être grassement soutenu <laughs> par l'univers. Donc euh, soyez pas surpris s'il y a des relations qui ne résistent pas à, tout, à tout, ce, tout ce beau changement. On a la chaise occupée, quelqu'un de nouveau entre dans votre vie. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être autant des nouveaux amis, une famille d'âmes, mais pour certains ou certaines, ça sera un homme. Ça peut être un intérêt romantique, du coup. Et en dessous, on a le chameau. Persévérez et vous, vous surmontez vos problèmes. Donc, oui, il y a de la persévérance, oui, il y a de de la foi, il y a besoin aussi de savoir que certaines choses, quand elles sont enlevées de notre vie ou quand ça ne fonctionne plus, c'est que ce n'est plus destiné à être dans notre vie. Je pense notamment aux relations où il y a des conflits, par exemple, où c'est plus compliqué qu'autre chose de maintenir euh, l'entente ou la paix ou l'harmonie. Donc euh, voilà ce que je vois pour vous pour votre nouveau départ en plus. Donc maintenant, nous allons tirer un dernier message avec euh, bah, le tarot des animaux. Tiens, donc, on va tirer une carte de, cette, de ce tarot que j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a pour terminer pour ce nouveau départ En tout cas, c'est un super tirage. Plus vous avez choisi le balai rouge avec le soleil, donc c'est vraiment euh, briller et oser briller en fait pour vous. C'est un petit peu ça. Hein. C'est peu importe les circonstances, peu importe les conséquences, je vais briller avec passion. Et euh, là, j'ai une phrase qui me vient. Je ne sais pas si elle est vraiment adaptée, mais elle me vient, donc euh, peut-être qu'il faut que je vous le dise c'est ne soyez pas si gentil que vous oubliez d'être intelligent et ne soyez pas si intelligent que vous oubliez d'être gentil. Donc, euh, ayez toujours de la bonté et de la compassion dans le cœur, mais soyez quand même intelligent, faites preuve de discernement et posez vos limites parce que la façon dont vous allez briller, euh, c'est une façon de briller qui est passionnée et ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a on a la 2 d'épée. Avec les chiens saucisses, j'adore les chiens saucisses. <laughs> la procrastination et la crainte de l'opinion des autres vous empêchent de prendre une décision. Si vous êtes déchiré entre vos propres désirs et ceux de quelqu'un d'autre, suivez les conseils de votre voix intérieure. Ça résume parfaitement tout ce qu'on vient de dire. Donc. Euh... Ne laissez pas l'avis des autres vous empêcher de faire ce qui est juste pour vous. Ne laissez pas euh, un potentiel conflit ou une potentielle confrontation vous empêcher de faire ce que vous voulez. Peut-être que ça va vous coûter 10 minutes désagréables de votre vie, mais ça va sauver le reste de votre vie. C'est un petit peu ça que je vois. Prenez cette porte, évitez le pire, c'est exactement ça. Et en dessous, nous avons le roi d'épée. Donc deux cartes d'épée, ça montre bien que là il va falloir faire preuve de logique, d'intelligence et de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. On n'a aucune carte de coupe dans tout ça. On a des cartes d'action, on a des cartes de créativité, on a des cartes d'abondance, de richesse et de discernement et d'intelligence, de stratégie. Avec la baleine à boss, le message est Ah bah voilà, intelligent, impartial, respecté, phlegmatique. Flagmatique. En ce moment, il est très important que vous communiquiez clairement, que vous soyez objectif et peu émotif, et que vous agissiez le plus professionnellement possible. Si vous avez besoin de conseils, adressez-vous à un spécialiste expérimenté. Donc voilà, ce sont vos conseils pour euh, terminer cette guidance, et on voit bien à nouveau que euh, la communication est très importante à ce moment de votre parcours. Donc communiquez avec vos guides de lumière, communiquez avec les anges, communiquez aussi avec les personnes qui peuvent vous aider, qui ont des ressources pour vous à ce stade de votre parcours. Mais quoi qu'il en soit... Vous allez vous créer votre abondance. C'est ce qu'il y a de plus important à retenir dans toute cette histoire. Voilà votre nouveau départ, groupe 1. Je suis très contente d'avoir fait cette guidance avec vous et pour vous. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et si vous souhaitez aller sur mon site internet pour voir mes prestations, les bijoux que je crée ou pour prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, les, euh, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour, groupe 2. Vous avez choisi ce balai avec une pierre verte et une encre. Donc, j'ai choisi un balai pour cette guidance parce que ça me fait vraiment penser au tri, au ménage, au rangement qu'on fait avant d'accueillir quelque chose de nouveau, avant de faire de la place pour quelque chose de nouveau, donc euh, c'est un petit peu le gros ménage de printemps pour accueillir les énergies de l'été, <laughs> métaphoriquement parlant. Donc on va voir grâce à ce petit balai magique ce que vous allez accueillir comme nouveau départ, qu'est-ce qui va arriver grâce à ce nouveau départ dans votre vie. Donc nous avons ou la citrouille. C'est intéressant parce qu'avec le balai et la citrouille, ça me fait penser aux énergies des sorcières, à Halloween. Donc il y a peut-être un nouveau départ qui se fait à cette époque de l'année pour vous, donc euh, à la rentrée ou euh, euh, vers Halloween en octobre. En Automne, donc c'est marqué transformation, prospérité, super! Et oui, il y a Thanksgiving aussi, avec euh, il me semble que c'est mi-novembre, si je veux pas dire de bêtises, mais bref, ça me fait penser à l'automne, donc peut-être qu'il y a un nouveau départ pour vous cet automne. Ou si c'est pas cet automne, si vous regardez cette vidéo plus tard, ça peut être la période de l'automne qui arrivera. Mais quoi qu'il en soit, euh, introspection. Se nourrir de sa propre présence. Faire germer ce qui est à l'intérieur de soi. Idées, projets, mise en lumière des peurs. Super. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce nouveau départ Dans le flow, tout, tout se déroule parfaitement bien. Everything is smooth sailing. Ensuite, nous avons wow, le troisième chakra avec l'archange Samuel. Quand je dis Samuel, j'ai toujours l'impression d'avoir une patate chaude dans la bouche et de mal dire Samuel, <laughs> l'archange Samuel. <laughs> euh, nous avons le deuxième chakra avec l'archange Ariel. Waouh Donc on a deuxième et troisième chakra, chakra inférieur. On a cette carte qui est tombée, donc on la prendra à la fin, je pense, je pense. Ensuite, nous avons la connexion avec toutes les clés. Ça fait penser à l'âme aussi. C'est waouh. Ok, il y, a un, il y a des énergies très 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 puissantes, très très angéliques, très lumineuses. On a bah ben voilà l'âme, <laughs> j'adore. On va la poser ici, magnifique. Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage Il est hyper solaire, hyper lumineux. Donc avec la rune, nous avons je ne connais pas du tout les runes, donc je découvre en même temps que vous. La rune Kenaz. Vision, révélation, connaissance, créativité, inspiration, habilité technique, feu vital de la vie. Ouais, c'est un petit peu ça avec le troisième et le deuxième chakra. Hein. C'est le feu, c'est la, la passion, la créativité, la création. Transformation et régénération. Wow. Ok. J'ai un peu l'énergie du phénix maintenant, avec l'énergie du scorpion, d'Halloween, de l'automne. Surtout avec, euh, on dirait, des, des, des clés de porte de réincarnation. C'est comme s'il si, euh, y avait différentes vies antérieures, là. On va voir ce que le tarot nous dit. C'est dur de ne pas creuser dans les cartes avant de toutes les mettre. <laughs> euh, on a le cavalier de bâton. On parlait de feu, de vitalité. On est en plein dedans avec ce cavalier. La set de coupe. Et. La force, la force, le lion, le lion qui est très solaire, qui est euh, généreux, plein de vitalité, plein d'amour. Ok, alors qu'est-ce que ça nous dit tout ça Donc on parle d'un nouveau départ aujourd'hui. Alors, déjà, ce que je vois avec tout ça, il y a beaucoup de choses à déballer. Donc je vais essayer de faire de mon mieux pour essayer de, de tout synthétiser. Mais c'est qu'il y a un nouveau départ au niveau de votre énergie vitale, au niveau de votre santé. Donc, euh, moi, je vois que vous allez récupérer beaucoup de force de vie, beaucoup d'énergie. Il y a peut-être aussi pour certains le feu de la passion qui va revenir. Ça peut être l'envie de, euh, de plaire, de bien vous habiller, de vous pomponner, de vous faire beau ou belle. Euh, il y a peut-être aussi cette envie de séduire à nouveau qui va venir, qui va revenir peut-être si elle était partie. Mais il y a ce feu, cette, cet appétit pour la vie, cet appétit pour... Euh, cette envie d'être 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 beau, d'être belle, d'honorer son âme en fait, il y a ça en fait. Il y a ça qui me vient en premier, c'est que vous allez avoir un plus grand intérêt pour la vie, pour votre vie et peut-être même du coup pour celle des autres, mais quoi qu'il en soit, je vois que vous vous remettez au centre de votre vie. Vous vous remettez au devant de la scène d'une certaine manière. C'est comme si euh, ce nouveau départ en fait, il vous permettait de Redevenir le premier, le personnage principal de votre vie. Et avec toutes ces vies antérieures, en fait, ce que ça me dit, c'est que je pense que pour certains, il y a un nouveau départ que vous avez peut-être essayé de mettre en place pendant plusieurs vies. Et selon les époques, selon les consciences, etc., ça pouvait être difficile d'amener ce nouveau départ dans votre vie. Mais là, on voit que vous êtes prêt. Et c'est possible qu'il y ait plein de choses qui se réactivent de ces autres vies. Peut-être des intuitions que cette chose vaut mieux pas la faire ou cette chose euh, vaut mieux la faire parce que vous saurez ce que vous avez fait intuitivement dans vos vies antérieures, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. C'est un petit peu abstrait, mais ce que je veux dire, c'est que votre âme, euh, elle sait en fait ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Elle sait ce qui est juste. Elle sait comment se mouvoir parce qu'elle l'a déjà fait plusieurs fois. Et ce que je vois, c'est que... Pendant cette incarnation, groupe 2, vous êtes prêt à réaliser ce que vous n'avez peut-être pas réussi à réaliser dans une, dans une vie antérieure Oh, ok. <laughs> J'ai. Euh, J'ai un truc que j'arrivais pas vraiment à voir. Et ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une énergie de double et de conscience supérieure, d'énergie supérieure, surtout avec la force là, qui maîtrise les instincts de ce lion. En fait, ce qui me vient, c'est que. Ok. <laughs> Ce nouveau départ, c'est pas votre moi égotique, c'est pas votre ego, c'est pas votre mental, c'est pas votre petite personne. Ne le prenez pas mal quand je dis ça, on a toute une petite personne qui veut tout commander. Euh, c'est pas votre petite personne qui va gérer les choses, c'est votre moi supérieur, c'est votre âme, c'est votre conscience. C'est cette part de vous, cette part de lumière qui, quand votre corps meurt, cette part de lumière continue de vivre. C'est cette part de lumière qui va diriger votre vie dorénavant. C'est comme si vous aviez maintenant conscience de ce témoin lumineux qui, qui est vous et qui est en vous. C'est un, un petit peu méta, hein, dit comme ça, mais ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est que ce nouveau départ dans votre vie, c'est que maintenant vous êtes capable de vous laisser diriger par votre âme, votre intuition et votre conscience, plutôt que par vos instincts, votre impulsivité, vos désirs qui ne seraient peut-être pas forcément hyper euh, alignés avec ce qui est important vraiment pour votre âme. Parce qu'avec euh, la carte de la force et cette personne qui a le symbole de l'infini, ça me fait vraiment penser à cette pureté qui sait comment maîtriser et gérer certains instincts qui pourraient être destructeurs pour nous. Il y a certains instincts et certaines impulsions et certains désirs qui sont très bons, qui servent et qui nourrissent l'âme. Mais il y en a d'autres qui sont destructeurs, comme on l'a vu. Il y en a d'autres qui peuvent nous mener à notre perte ou qui peuvent nous rallonger la leçon, qui peuvent nous faire encore revenir pour apprendre la même leçon. Donc là, c'est vraiment ce que je vois. Ce nouveau départ, c'est que vous allez être guidé par votre être supérieur, par votre âme, par votre conscience, par cette voix intérieure qui veut toujours agir dans le plus grand bien de tous. Et je vois que vous êtes vraiment aidé avec ces archanges justement qui régissent les chakras inférieurs, qui sont les chakras justement de la survie, de la peur, quand ils sont dans le négatif bien sûr, de l'envie, la jalousie tout ce qui peut être instinctif, primal, mais dans le mauvais sens, donc eux ils vont vous aider à gérer tout ça, donc si vous avez par exemple, vraiment un exemple, mais si vous avez des problèmes de dépendance, si vous avez des problèmes euh, au niveau peut-être du manque, de l'insécurité matérielle ou des choses comme ça, demandez à Chamuel, demandez à Ariel de vous aider à maîtriser ses peurs, à maîtriser ses instincts. Primaires et qui ne vous servent pas, qui vous desservent justement, qui vous enlèvent votre feu intérieur, qui vous enlèvent votre passion, votre intérêt pour la vie. Demandez-leur de vous enlever la jalousie, demandez-leur de, de vous libérer de toute émotion qui vous bloquerait dans votre créativité et demandez-leur de rééquilibrer vos chakras inférieurs aussi si vous avez ce genre d'émotions qui reviennent de temps en temps. Surtout l'émotion d'insécurité, c'est ce que je ressens. Parce qu'avec le deuxième et troisième chakra, on est vraiment dans des énergies basses, d'instincts bas, quand elles sont au niveau négatif. Donc voilà ce que je vois. Ce nouveau départ, il va vous permettre de ne plus être dans ces énergies négatives, justement, de vous en détacher de plus en plus. Et vous allez pouvoir enfin faire ce que vous n'avez pas forcément réussi à parfaire dans d'autres vies. Vous avez peut-être réussi à un certain niveau, mais dans cette vie, vous allez réussir comme jamais dans d'autres. C'est vraiment ce que je vois. Et il y a une vie, c'est marqué euh, 2573 avant Jésus-Christ. Donc euh, ce qu'on veut vous dire, euh, groupe 2, c'est que vous êtes une âme très très ancienne. Peut-être que vous n'en avez pas l'impression mais c'est pas grave. <laughs> Votre âme, elle sait que vous êtes là depuis un petit moment. Euh, Peut-être que vous n'êtes pas venu beaucoup vous incarner mais les quelques fois où vous êtes venu vous incarner vous avez fait du très bon travail. Euh, et là, c'est une fois où vous avez choisi un gros package. Vous avez envie d'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de leçons, ce qui est plus facile maintenant qu'on est à une époque digitale où les, les informations et les choses vont très vite, plus vite qu'en 2573 avant Jésus-Christ en tout cas. Et donc vous êtes à un stade de votre parcours spirituel où vous êtes capable maintenant d'être dirigé par votre âme plutôt que par vos bas instincts. Et cette âme, elle va vous amener vers votre plus belle destinée elle va vous amener vers la prospérité vers une grande transformation intérieure, vers la réalisation de projets qui vous tiennent à cœur, et vers enfin, avec cette magnifique rune du pouvoir personnel, on dirait que c'est ça surtout, hein, avec un pouvoir qui est exercé de manière juste pour le plus grand bien de tous et qui va vous amener beaucoup de réussite, beaucoup de succès, beaucoup de reconnaissance. Donc, euh, c'est ce que je vois pour vous, pour ce nouveau départ, et on vous dit là, avec cette carte, on vous rappelle que tout se passe bien pour vous que même si en ce moment vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, les choses se mettent en place. Les choses se passent pour le mieux pour vous. Et si ça stagne un petit peu, si vous avez du mal avec certaines choses, on vous dit que vous faites de l'excellent travail et que c'est important de continuer vos efforts. C'est important de continuer à... Laissez cette voix intérieure vous guider, laissez peut-être même, peut-être que vous entendez des anges, hein, des fois, à travers votre propre voix intérieure, hein, à travers votre propre esprit. Et quoi qu'il en soit, continuez ce travail pour euh, laisser votre âme, votre conscience, votre moi supérieur prendre les commandes. C'est ça que je vois. Donc, euh, ce nouveau départ, c'est un nouveau départ hautement spirituel. C'est comme si vous aviez une espèce de... Euh, vous gagnez un niveau, ça, je le dis de temps en temps. C'est comme si vous, vous viviez une nouvelle vie dans cette vie, en fait. Vous êtes prêt pour ça et demandez bien aux anges, aux archanges de vous épauler pendant ce travail, parce que avec toute cette lumière, on voit que vous êtes accompagné. Donc, euh, demandez-leur de l'aide, demandez-leur du soutien et ils seront là. Donc, pour résumer, c'est un nouveau départ hautement spirituel. Et ce que je vois aussi, c'est que pour certains, si vous essayez de développer certains dons, c'est un nouveau départ à ce niveau-là aussi. On vous dit que vous êtes capable d'aller loin avec ces dons. Ok Donc, maintenant, on va voir ce que ce nouveau départ vous apporte d'autre. <laughs> une carte verte avec la carrière. Je vous l'ai dit, c'est possible que pour certains, vous, vous ayez une carrière ou que vous souhaitiez avoir une carrière dans les soins ou qui... Euh, euh, peut-être que c'est une carrière où vous communiquez avec les anges, où vous servez de leur énergie, ou peut-être que vous travaillez en partenariat avec eux. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez faire une carrière spirituelle, on vous dit que c'est votre chemin. Si c'est pas votre, votre idée, on vous dit simplement que vous êtes soutenu pendant votre carrière et que le fait d'écouter votre âme et de suivre son sa guidance et de suivre la guidance des anges, ça va vous bénir au niveau de la carrière. Oh! Je viens de voir, on a la dinde qui s'est retournée. Ça me fait penser justement à Thanksgiving. C'est une fête américaine. Je sais qu'il y a un débat là-dessus parce que l'origine de cette fête est un petit peu sanglante. Mais moi, je retiens surtout le fait que c'est un, un moment précieux avec, dans lequel on, on, se, on se réunit avec ses proches pour dire de quoi on est reconnaissant autour d'un bon repas. Ce pourquoi on a été reconnaissant au cours de l'année. Et moi, je trouve cette tradition assez sympa. Donc, euh, on va voir un petit peu comment ça s'applique ça dans votre tirage. Donc, nous avons la carrière avec une carte verte que j'adore. Donc, nouveau départ avec une carrière peut-être spirituelle pour certains ou alors qui est soutenue euh, par votre âme et par les royaumes angéliques. On a euh, l'excitation avec les firecrackers et ça me fait penser justement, vous savez, à Noël ou les fêtes comme ça. D'ailleurs, Thanksgiving est proche de Noël. On a souvent des pétards comme ça à craquer à table dans les papillotes ou les choses comme ça. Donc, pour moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe cet automne ou peut-être à Noël pour certains d'entre vous. Ça peut être une activation, ça peut être euh, euh, le déblocage de certaines peurs. Euh, peu importe ce que c'est, ça, ça a trait à votre carrière et au monde spirituel. Et ça va vraiment marquer le début d'une nouvelle vie pour vous. On a l'amour spirituel avec le lys. J'adore. Et on a la dinde, quelqu'un agit de manière stupide. <laughs> ok, donc moi je vois vraiment cette dinde comme l'ego. Vous savez, il euh, y a toujours cette personne euh, à table dans la famille euh, qui est soit raciste, soit qui a une trop grande gueule, ou les choses comme ça. Ça me fait vraiment penser à cet ego en fait, qui a besoin d'être vu, qui a besoin d'être entendu, qui a besoin de, de survivre en fait, parce que sans l'ego il reste que l'amour. Et l'ego il, il connaît pas ça à la base. Donc ça me fait vraiment penser au mental. Qui peut être parfois un petit peu stupide, un petit peu têtu, et qui a peur de pas réussir à faire les choses si il laisse un petit peu sa conscience et son moi supérieur diriger. Donc moi j'ai vraiment cette sensation que ce nouveau départ il vous laisse, euh, il vous permet de laisser derrière vous une part de vous qui serait justement un petit peu têtu, qui aurait un petit peu trop peur et que vous avez peut-être traîné pendant plusieurs vies antérieures, mais là ça y est, ce nouveau départ, il vous permet enfin de faire un câlin à cette dinde métaphorique, et à lui dire tout va bien se passer, laisse-moi diriger, laisse-moi contrôler les choses. Donc, euh, ce qui vous attend pour ce nouveau départ avec l'amour spirituel. <laughs> Spirituel, encore une fois, c'est que vous allez vous rapprocher de Dieu. Alors vous appelez ça Dieu, vous appelez ça l'univers, vous appelez ça la source, vous appelez ça comme vous voulez, mais vous allez vous rapprocher de cet amour. Vous allez le de devenir de plus en plus. Vous allez enfin dompter cet égo, cette, cette part de vous-même qui a peur, qui est dans l'insécurité, et vous allez être de plus en plus euh, le paradis sur terre. C'est un petit peu ça que j'ai, c'est que vous allez. C'est un peu dur d'expliquer avec des mots, mais vous n'allez plus avoir besoin de vous laisser guider par ces bas instincts. Ça va plus être un combat, ça va être naturel. L'amour, il va venir à vous naturellement. Cette connexion avec le ciel, cette connexion avec votre âme, elle va venir naturellement parce que vous êtes prêts, vous êtes prête, vous avez travaillé pour ça. Et bien évidemment, l'amour spirituel, pour moi, ça me fait penser à une relation d'amour, surtout avec le euh, troisième et deuxième chakra, qui sont quand même les, les chakras de la sensualité, de la sexualité aussi. Ça me fait penser à une relation intime qui est sacrée, une relation d'âme. Une relation dans laquelle on ne se pose pas toutes les deux secondes la question, est-ce que cette personne elle essaie de me manipuler On sait que cette personne elle est digne de confiance. Il y a vraiment ça aussi qui vous attend pour ce nouveau départ. Parce que vous êtes dans votre âme, vous êtes dans. vous êtes euh, dans votre connexion avec votre moi supérieur. Donc vous attirez obligatoirement des personnes qui le sont également, notamment des belles relations d'amour. Et donc avec la carrière, on voit bien que ce nouveau départ où vous êtes plus connecté à votre âme, que vous êtes de plus en plus euh, cet amour et cette lumière qui est caractérisée par cet âme et par Dieu, par l'univers, par les anges, vous allez expérimenter la floraison d'une carrière qui va vraiment vous satisfaire. Peut-être que vous êtes déjà satisfait dans votre carrière, mais du coup elle va connaître une espèce de second souffle où vous allez être de plus en plus connecté à votre travail, à votre activité. C'est vraiment magnifique tout ça. Je suis vraiment contente pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous du paquet on a la poêle avec euh, problème accusation et la pomme avec la tentation on va vous tester. Et oui, parce que bien évidemment, en plus on a la pomme avec les anges, le paradis, Dieu, la spiritualité. Donc euh, c'est exactement ça, c'est que bien que vous entriez dans une phase beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus connectée, euh, dans laquelle vous êtes beaucoup plus en, en lien avec vos dons, vous apprenez peut-être même à les maîtriser, à en faire quelque chose qui sert le plus grand bien. Même quand on est dans une phase hautement spirituelle, on peut se faire tester, on peut avoir cette part de nous qui a peur, qui pense qu'on lui veut du mal, qui reprend un petit peu le dessus. Donc là, on veut vous dire clairement que le futur est prometteur, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on vous dit de ne pas vous endormir non plus sur cette certitude et de garder les yeux quand même ouverts, les yeux qui voient vraiment justement. Donc voilà, c'est magnifique. On a vraiment une très belle énergie de réalisation de, euh, avec euh, toutes ces énergies de Thanksgiving, j'ai vraiment cette énergie de gratitude aussi, de gratitude pour la vie, de, de joie d'être en vie. Peut-être que vous aviez perdu cette joie d'être en vie tout simplement, et là vous allez vraiment sentir cet amour, cette, euh, ce bonheur en fait d'être là, de pouvoir euh, être un témoin de cette époque, d'être dans ce corps hein, tout simplement. Et je pense vraiment que pour beaucoup d'entre vous, vous avez des dons spirituels qui sont dormants ou peut-être que vous développez, que vous apprenez à, à apprivoiser tout doucement. Mais dans tous les cas, vous pouvez vous en servir pour le plus grand bien de tous et le vôtre. Parce que quand on se sert de ces dons pour aider les autres ou pour faire la différence d'une manière ou d'une autre, l'univers, il, il nous bénit de manière générale dans tous les, dans tous les domaines. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant pour terminer cette guidance qui était très très lumineuse, très très intense Qu'est-ce qu'on a pour terminer groupe 2, s'il vous plaît Et euh, ouais, on a quatre cartes, donc on va peut-être pas en prendre quatre, mais j'ai juste de capter qu'on avait quand même l'encre sur ce balai. Et donc, ça me fait vraiment penser aussi à beaucoup plus d'ancrage dans votre vie de manière générale. C'est pour ça qu'on a des chakras inférieurs aussi, c'est que vous allez de plus en plus vous faire confiance, vous allez de plus en plus vous sentir en sécurité avec vous-même, vous sentir en sécurité dans ce monde. Et bien évidemment, il n'y a pas de spiritualité sans ancrage. Donc, si vous étiez une personne qui avait tendance à être tout le temps dans votre tête, ou peut-être qui a encore tendance à être tout le temps dans sa tête, ou peut-être que vous aviez tendance à. à à plutôt penser qu'à faire, ça aussi ça va changer. Ça va changer considérablement. Vous allez être plus dans votre corps et du coup vous allez plus pouvoir laisser descendre les énergies spirituelles dans votre vie, dans votre carrière et dans vos relations. Ouh et regardez, on a encore la force, j'adore. Donc on a deux fois la force, c'est une carte très importante de votre tirage. On a beaucoup de lumière, beaucoup de, de pouvoir personnel. Une véritable force se déploie grâce à la bonté, au pardon et à la compassion. Vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnel. Magnifique! Et je pense même que ce nouveau départ, il va vous donner l'opportunité, justement, avec cette tentation, ces accusations et tout ça, l'opportunité d'être dans l'amour, la fermeté, bien évidemment. Si vous avez besoin de vous défendre, faites-le. Mais vous n'allez plus être dans la réactivité de l'ego, vous n'allez plus être dans la réaction euh, primaire, en fait. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont, vous allez faire preuve de compréhension, de compassion. Prendre les mesures nécessaires, bien évidemment, mais vous allez être dans des énergies élevées de pardon et d'amour tout simplement pour ces personnes qui sont encore à un stade d'évolution qui n'est pas facile. Donc, euh, do no harm but take no shit, ça veut dire ne faites pas de mal mais n'acceptez pas n'importe quoi. C'est un petit peu ça que je vois, c'est que vous n'allez pas faire de mal, vous n'allez pas accepter n'importe quoi. Et en plus de ça, vous allez être un exemple euh, de spiritualité, un exemple de bonté. Un exemple de compassion. Et j'ai pas pu m'empêcher depuis tout à l'heure, je soulève les cartes pour vous les montrer. J'ai vu le mois d'octobre, donc ça pourrait être un mois significatif pour vous. Et en dessous du paquet, pour terminer, une bonne fois pour toutes, nous avons l'étoile avec le L'Oreo. Vous êtes sur le point de faire un grand bond en avant dans votre vie. L'inquiétude sera remplacée par l'optimisme, la peur par l'espoir et la joie se nichera dans votre foyer. Oh, j'adore c'est magnifique, donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous. Groupe 2, je suis très contente d'avoir fait cette guidance avec vous et pour vous, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et si vous souhaitez aller sur mon site internet pour prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous, au revoir. Bonjour groupe 3 Vous avez choisi ce magnifique balai à tête de cerf avec une pierre, on dirait de l'opale au sommet. Donc on va le poser juste ici. Moi le balai, ça me fait penser au tri, au rangement, au ménage, au grand nettoyage de manière générale qu'on fait quand on veut faire de la place, accueillir quelque chose de nouveau, ou quand on a envie de changer des choses dans notre vie. Donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi ce petit objet. Et on va regarder maintenant quel est ce nouveau départ pour vous avec toutes ces cartes. Donc hop, on commence avec les petites cartes. Nous avons <laughs> le soleil. Et c'est hyper intéressant parce que... Euh, dans le premier choix, sur le balai du premier choix, on a un soleil, je l'ai juste ici justement. Et dans le premier choix, il y avait aussi un cerf, donc j'ai montré le balai du cerf dans le groupe 1 et dans ce groupe là je vous montre le balai du soleil, parce qu'il y, une... y a un truc entre les deux groupes, donc on va voir ce que c'est, je suis curieuse parce que j'ai pas encore fait votre tirage. Euh, mais si vous avez été appelé par le premier balai, peut-être qu'il y a un message pour vous aussi. Donc le soleil nous dit je suis Yang masculini... masculinité. Pouvoir personnel, vitalité, verbe créateur, source de vie, puissance créatrice, enthousiasme. Et en négatif, nous avons orgueil, autoritarisme, égoïsme, irritabilité. On va mettre ça là. Les runes, nous avons. Je connais pas du tout les runes, mais celle-ci, je l'ai tatouée justement ici. Donc euh, je sais même plus ce que ça veut dire, j'ai oublié, ça faisait longtemps. C'est marqué prise de conscience, euh, awakening, éveil, conscience. Euh, clarté du jour euh, opposée à la nuit, euh, incertitude, un moment pour planifier ou s'embarquer dans une nouvelle entreprise. Ouais, donc c'est pour moi ça se rapproche le plus du changement. Ouais. Ensuite nous avons l'orage distant, nettoyage de l'air. Ouais et en plus euh, le groupe 1 avait justement euh, la tempête avec une autre carte donc il y a vraiment quelque chose entre les deux groupes qui se joue là. On a contrainte financière avec la carte numéro 13. Ensuite, nous avons la joie. Super. Ok, donc il euh, y a un message qui est clair déjà. Ok, je comprends pourquoi il y, y a un lien entre les deux groupes. Euh, vraiment, si vous êtes appelé, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un message pour vous aussi dans l'autre groupe. Et on a la création. Et euh, c'est la même carte que le dos. Et avec le tarot maintenant, qu'est-ce que nous avons nous avons le cavalier de denier, oui, ça fait du sens. La 10 de denier, non, c'est incroyable, vraiment. Off. Ok. Et la reine d'épée. Waouh, alors. Il y a plusieurs choses qui me viennent. Il y a déjà une purification, ça c'est clair et net. Euh, pour certains, je pense que... Vous avez été un petit peu dans l'obscurité, que ce soit financièrement, personnellement, mentalement. Euh, moi, je pense que c'est surtout financièrement et mentalement, parce qu'on a quand même la joie et les finances. Et on a le soleil qui parle du soi, qui parle de notre énergie vitale, qui parle de notre soleil intérieur. Donc euh, moi je pense que c'était au niveau des finances et au niveau mental qu'il y a eu une petite zone d'ombre, peut-être une stagnation, peut-être un moment de moins, peut-être même certains, certaines personnes vous aviez des dettes ou euh, des contraintes de manière générale qui n'étaient pas agréables. Et ce nouveau départ, en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez une ardoise qui était réglée, une ardoise karmique qui va régler du coup une ardoise financière. Vous voyez, comme euh, comme dans les films, vous savez, ils ont ar une ardoise dans un bar et à la fin ils doivent payer, ils peuvent pas, donc ils ont une dette. Donc c'est un petit peu cette énergie-là. C'est comme si quelqu'un arrivait et disait c'est bon, j'efface ta dette, t'as pas besoin de de, de payer. Euh, moi, ça m'était arrivé au début de, de mon entreprise. Il y avait la CAF qui m'avait récupéré, enfin, qui m'avait demandé des sous. Ils sont, ils sont vraiment champions pour ça. désolé si vous bossez à la CAF, euh, groupe 3. Mais euh, ils m'ont demandé une somme que j'avais pas, en fait. Et je leur ai dit, mais euh, les gars, euh, je, je suis vraiment de bonne foi, mais là, je peux juste pas payer, quoi. Ils m'ont dit, ah, ok, vas-y, c'est pas grave, on annule la dette. Donc, c'est un petit peu cette énergie que j'ai. C'est que. Pour certains, ce nouveau départ, en fait, il va fluidifier les choses au niveau matériel. Peut-être que vous allez avoir une dette effacée. Peut-être que quelqu'un va vous prêter de l'argent. Euh, et peut-être même que cette personne va vous dire à la fin, vas-y, tu sais quoi, garde l'argent, j'en ai pas besoin. Euh, C'est avec bon cœur que je te le laisse. Et du coup, votre dette, elle est effacée. Mais il y a vraiment cette idée, en fait, de ne plus être dans un... de ne plus être dans des difficultés financières pour vous grâce à ce nouveau départ. C'est comme si... Euh, tout ce que vous avez appris pour manifester l'abondance, peut-être que ça a marché à un temps pour vous? Et peut-être que vous avez connu un moment à vide même si vous saviez comment manifester l'abondance, peut-être que vous avez connu un creux et que maintenant vous ressortez peut-être votre votre vieux bouquin sur l'abondance, euh, euh, mon soin peut-être si vous l'avez acheté d'ailleurs, peut-être que c'est un signe pour vous de le ressortir. Euh, mais quoi qu'il en soit, il y a cette idée de peut-être euh, revoir certaines choses que vous connaissiez à propos de l'abondance et que vous avez appliqué un temps mais que vous n'appliquez plus. C'est possible. Ça peut être un conseil pour ce nouveau départ. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'au niveau de l'abondance financière, notamment, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui shift et qui bascule complètement pour vous. Et vous passez de la contrainte, euh, de l'orage, des temps difficiles, à la joie, à la création, à l'abondance avec la 10 de denier, quand même, au soleil, avec la vitalité, la création, l'énergie vitale. Donc, euh, il y a vraiment, ouais, il y a, il y a quelque chose qui bascule pour vous. Ce nouveau départ, il va vous donner une ardoise neuve une ardoise nettoyée. Il n'y a plus d'ardoise. C'est comme si vous aviez payé des dettes karmiques et, de, et que du coup ça se répercutait au niveau financier. Et ce que je vois aussi, c'est que pour certains, Peut-être que vous avez rompu un vœu de pauvreté, ou peut-être que vous avez rompu l'idée que vous étiez destiné à être pauvre ou à être en manque toute votre vie au niveau financier. Alors, on m'a demandé dans les commentaires plusieurs fois comment on fait pour rompre un vœu de pauvreté. Faut simplement le dire je romps le, le vœu de pauvreté que j'ai fait dans une ancienne vie et je décrète que je manifeste l'abondance dans celle-ci. Tout simplement. Si vous y croyez, vous y croyez pas, c'est pas grave, le simple fait de le dire, de l'affirmer, vous pouvez faire un petit rituel, une petite cérémonie ou un acte psychomagique comme euh, planter votre bout de papier, où vous avez mis l'affirmation dans un pot avec une fleur ou dans un endroit qui compte pour vous, peu importe comment vous le faites, tant que vous posez l'intention, ça compte et ça rompt le vœu, voilà, tout simplement. Donc, ce nouveau départ, déjà je vois quelque chose qui change considérablement, ça peut être pour certains aussi avec euh, le cavalier de denier. Que vous vous êtes serré la ceinture pendant un moment pour faire en sorte que quelque chose fonctionne. Ça peut être que vous avez décidé de mettre de côté parce que vous attendez bientôt un heureux événement et que du coup vous avez dû vous serrer la ceinture un petit peu. Et maintenant le petit bébé arrive et vous vous rendez compte que vous avez beaucoup plus d'argent que vous ne le pensiez et du coup votre, votre mode de vie est agréable. Et en plus, vous pouvez vous faire plaisir. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous avez mis beaucoup d'énergie dans un projet, que vous avez dû mettre des sous de côté, peut-être même euh, payer beaucoup de choses, et que du coup, vous aviez plus grand chose pour vous. Et on vous dit que ce projet, cette histoire euh, euh, professionnelle ou cette activité, peu importe ce que c'est, pour laquelle vous avez mis de l'argent de côté et investi beaucoup, ça va connaître le succès. C'est juste que ça avait un départ qui était lent, qui avait besoin de s'installer. Et vous allez avoir un grand changement, vous allez vous dire ça y est, ça fonctionne, ça y est, tout ce que j'ai fait, tout, tout, tout ces, comment dire, tous ces crans de ceinture que j'ai dû resserrer au fil du temps, je vais pouvoir enfin le desserrer, je vais pouvoir manger à ma faim, je vais pouvoir me faire plaisir, je vais pouvoir voyager peut-être, peu importe ce que vous allez faire grâce à tout cet argent et toute cette détente. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a peut-être demandé de vous restreindre pendant un certain temps, le temps que ça marche. Et peut-être même que certains d'entre vous, vous vous êtes demandé si ça allait marcher un jour. Et on vous dit oui, bien sûr que ça va marcher. Continuez vos efforts, continuez euh, de mettre des sous de côté ou de payer ce que vous avez à payer parce que la joie et l'abondance sont, sont au coin du chemin. Un gros changement, un gros, euh, un gros turn. Euh, Turn around va arriver dans votre vie et vous allez enfin pouvoir briller. Vous allez enfin pouvoir être dans cette énergie de joie de ce que vous avez fait naître au monde, de ce projet ou de ce, de ce petit bébé ou de cette famille. Peu importe, mais dans tous les cas, vous allez vraiment être content d'avoir tenu tout ce temps. Donc il y a un nouveau départ très très abondant au niveau des finances, mais aussi un nouveau départ de bonheur, de joie qui sera vraiment présente dans votre vie, dans tous les aspects de votre vie. C'est magnifique. Et avec la tête de serre, ça me fait vraiment penser aussi que vous allez pouvoir vraiment faire ce que vous voulez de votre vie. Vous allez pouvoir décider ce que vous faites de votre temps. Qui est-ce que vous voyez Comment vous dépensez votre argent vous allez pouvoir décider aussi quand est-ce que vous avez besoin de vous prendre un petit peu de vacances, quand est-ce que vous avez besoin d'arrêter. Il y a vraiment cette idée de, de pouvoir décider ce que vous voulez faire dans votre vie une bonne fois pour toutes. Donc, euh, ouais, c'est vraiment euh, la, la nuit avant l'aube, ce que je vois pour vous. C'est l'éclaircie, l'arc-en-ciel après la tempête. Bon, moi, j'adore la tempête, j'adore l'orage, mais certaines personnes n'aiment pas. C'est vraiment une métaphore pour dire que les temps difficiles, les temps un petit peu. Euh, Ouais, les temps un peu compliqués laissent la place à des temps plus agréables pour vous, tout simplement. Avec beaucoup d'abondance, beaucoup de réussite, beaucoup de succès et surtout de fierté d'être arrivé jusqu'au bout. Ce que j'arrive pas vraiment à lire dans ce jeu, c'est cette reine d'épée. Ouais, cette reine d'épée, je sais pas trop, j'arrive pas, et je, je sais pas pourquoi, c'est une des rares fois où une carte me dit rien du tout. Donc peut-être que ça va me dire quelque chose avec les cartes qu'on va tirer là. Ouais. Alors, qu'est-ce que ce nouveau départ vous apporte d'autre maintenant Qu'est-ce que ça vous apporte d'autre tout ça Groupe 3. Qu'est-ce que ce nouveau départ vous apporte d'autre Oui, j'ai un message important pour les personnes qui ont entrepris un projet qui leur a coûté peut-être des sous, du temps, de l'énergie, peut-être même que vous avez dû mettre un petit peu votre vie de famille de côté ou vos proches. On vous dit de ne pas abandonner, de ne pas lâcher, parce que pour l'instant, peut-être que vous avez l'impression de payer les charges, les machins et tout ça, et que ce n'est pas du tout agréable et que vous faites rien pour vous, mais c'est temporaire. C'est vraiment temporaire. Un moment, ça sera juste un pourcentage de votre chiffre que vous donnez et ça vous fera ni chaud ni froid. Pour l'instant, c'est juste un moment où vous avez l'impression de tout donner, de tout faire pour les autres, de tout faire pour qu'on vous enlève tout. Mais c'est temporaire. C'est un message que certains d'entre vous, vous avez besoin d'entendre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant Qu'est-ce que ce nouveau départ vous apporte <laughs> On a le mois de novembre. Donc, ça peut être ce mois de novembre, une temporalité en 11. Donc, 11 heures, 11 jours, 11 semaines ou 11 mois. Bon, ça serait un peu long, 11 mois, mais c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce nouveau départ-là Si vous regardez cette vidéo, quand elle sort, le mois de novembre est proche. Donc, il se pourrait justement que. Euh, ce qu'on a discuté juste avant de dettes qui s'efface ou d'abondance qui arrive ça puisse arriver plus en novembre donc préparer cette arrivée peut-être comme je vous l'ai dit en, en écoutant des vidéos à propos de l'abondance ou en ressortant vos vieux bouquins vos, vos vieux soins ou je ne sais quoi par rapport à ce sujet parce que ça pourrait vous aider justement à préparer cette arrivée ce nouveau départ alors donc qu'est-ce que nous avons? Ta -ta -ta. Donc le mois de novembre, nous avons ensuite la tour, fondation solide et succès avec des efforts, donc c'est parfait. On a le travail, faites attention à votre boulot, donc mettez quand même de l'énergie dans ce que vous faites. Avec la tour, on voit bien que vous êtes en train de... Créer des fondations solides, surtout avec le, le cavalier de Denier, il sait qu'il doit être régulier dans ses efforts, il sait qu'il n'aura pas forcément tous les résultats tout de suite, mais il est constant, il est dévoué à sa tâche et il se dirige de toute façon vers l'abondance. Donc c'est vraiment ce que je vois avec cette tour, c'est qu'on vous assure le succès. Mais vous, votre part du boulot, c'est de rompre par exemple les voeux de pauvreté, c'est d'adopter un état d'esprit d'abondance le plus possible, même si des fois vous n'y croyez pas, même si c'est pas une bonne journée, on s'en fout. Ça marche quand même, le cerveau, il fait pas la différence. Et de continuer votre travail, c'est ça votre part du taf. Ensuite nous avons la paix chagrin à cause d'une perte et on a le bouquet compliment de la part d'un admirateur. Et c'est hyper intéressant parce que on a deux formes de bouquets, on a une espèce de gerbe de fleurs là et on a un vase avec un bouquet qui a été offert dans d'autres circonstances. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on passe encore une fois du tout au tout. Le bouquet pour le deuil, le bouquet pour la réussite, pour les félicitations. C'est vraiment un tout autre monde que vous allez expérimenter groupe 3 donc ne lâchez pas vraiment. C'est avant l'aube que la nuit est la plus noire. On a le trône avec position d'autorité. Ça ne m'étonne pas du tout. Et voilà, c'est bon. Je comprends mieux cette reine d'épée. C'est exactement ça. C'est la position d'autorité. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut. Elle se tient à ce qu'elle s'est dit. Elle se tient à son plan. Elle est stratégique, intelligente, réfléchie. Et elle est vraiment méticuleuse donc c'est ça que je vois c'est que votre persévérance euh, votre constance votre régularité le fait que vous vous teniez à votre plan même s'il y a des contraintes même si des fois la joie n'est pas au rendez-vous même si des fois vous doutez même si des fois vous croyez pas en votre propre abondance c'est ça qui va vous permettre de vous asseoir sur ce trône et en dessous, regardez, j'adore, on a le bol avec plein de choses matérielles. Donc, bien évidemment, il y a l'abondance euh, financière, mais il y a aussi l'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance de, de bonne santé. Euh, il y a aussi l'abondance de connexion. Et oh, je viens juste de voir, encore en dessous, on a la bonne fortune. Donc, c'est parfait pour vous. Voilà, donc c'est tout ce que je vois. Donc, on va tirer une dernière carte pour ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a pour terminer, s'il vous plaît Pour mon groupe 3. Qu'est-ce qu'on a pour terminer Et il me semble que l'opale, c'est la pierre de la joie, hein, si je ne me trompe pas. Donc euh, avec le soleil, la joie, ça me fait vraiment penser à ce soleil intérieur, cette joie de l'enfant intérieur. Ah, on a la grande prêtresse. Très intéressant parce que la reine d'épée communique avec les anges. Elle a un ange gravé sur son siège en marbre, là. Donc ça peut être aussi que là, vous êtes invité à vous en remettre aux anges, à vous en remettre au ciel pour qu'ils vous aident justement à apaiser vos, vos pensées, à apaiser vos soucis. Donc la chouette nous dit, c'est le temps de prendre une pause et de réfléchir, non pas d'agir. Ayez foi en vos dons spirituels puisque rien n'est caché à votre intention divine. Donc euh, on vous rappelle avec cette carte de bien évidemment continuer vos efforts constants, réguliers, mais de ne pas euh, travailler au point de vous mettre en burn-out. Hein. Donc euh, encore une fois, tout est une question d'équilibre. Et on a la 6 d'automne. Donc la 6 de denier juste en dessous avec le, avec le kiwi. J'aime trop cette, euh, ce petit animal. Et je crois qu'il euh, fait une espèce de bruit genre... <laughs> Genre, <mais. rire> il y a une vidéo sur, sur Internet qui tourne, c'est trop drôle. Donc on a une pièce et une plume, ça me fait penser aux synchronicités et à ce que vos guides vous envoient comme signe pour vous rassurer, pour vous envoyer du, du réconfort aussi. Donc il est écrit, votre succès et prospérité vous ont permis de rembourser vos dettes, d'obtenir des prêts ou de recevoir une subvention ou une bourse. Donc c'est ça aussi ce nouveau départ, ça peut être justement comme on l'a vu tout à l'heure <coughs> et qui nous est confirmé maintenant le remboursement ou l'effacement d'une dette. Ça peut être un prêt qui est accordé, ça peut être le fait de recevoir une subvention ou une bourse. Donc si vous vous posez la question, est-ce que ça va arriver Alors là, c'est une confirmation plus plus plus. En retour, assurez-vous de partager votre richesse avec les autres en offrant votre temps ou de l'argent à des organismes de bienfaisance. Voilà, donc euh, écoutez, on a des belles confirmations tout au long du tirage. Si vous avez été attiré par le groupe 1 aussi, je vous le recommande vivement parce qu'il y avait un message vraiment complémentaire finalement. C'est comme si euh, mon mois du passé, il avait été en avance à de mon mois du futur. C'est un peu, c'est rigolo. Donc bref, c'est tout ce que je vois pour vous. Groupe 3. Merci de m'avoir laissé faire cette guidance pour vous et avec vous. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et si vous souhaitez aller sur mon site internet pour prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Prenez soin de vous. À bientôt.